Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons Fallout 3. Donc ici nous sommes bloqués au niveau du métro. Donc en fait en y réfléchissant, dans le jeu on nous avait dit d'aller chercher les fusibles. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va pas s'emmerder. On va essayer de shooter cette unité là. Il n'y a pas une meilleure arme. On va shooter cette unité parce que j'ai l'impression que voilà, y a quelque chose à faire. Vu qu'on avait tout récupéré. Bah on va tuer tout le monde au pire, hein. Jusqu'à temps qu'on trouve ce fameux fusible. Oh, on va prendre un canoncier, ça devrait le faire. Allez. On va essayer d'y rentrer dans l'art, lui. Les autres ne m'attaquent pas, c'est ça qui est cool. Par contre, j'avoue, il me fait mal. Fusil principal. Donc, à mon avis, ça doit être ceci. On va regarder. Parce que vous voyez, en fait, il n'y en avait qu'un qui était différent. Et comme on veut pas nous donner le fusil, ben, faut forcément le buter. Voilà. Je suppose qu'il faut aller ici. Direction opposée, d'accord. Donc faut aller par là. Ok. On est passé carrément à travers, d'accord. Maison blanche, le cœur. Bon, là, il n'y a rien d'autre. Mince, je suis bête. Dans divers, qu'est-ce qu'on peut jeter? Bah, de la ferraille, on va les mettre ici. Porte en moyen. Voilà. Pourquoi pas. Grenade, grenade, grenade. Ah non, c'est pas des grenades. Là, c'est des grenades. D'accord. En plus, je me prends de ces dégâts. Alors, attendez. Hop, je dois juste faire quelque chose. J'en ai pas pour longtemps. Je vais juste mettre des steam packs. Alors, hop. D'accord, bien. Très mauvaise idée. Il résiste de trop avec ses armes-ci. Et malheureusement, le fusil à plasma. Plus grand chose dessus. Là, je gagne pas d'XP alors qu'avant, je gagnais avec Kanigou. Malgré que je. Tu es pas forcément les ennemis. On a mis une belle carotte quoi. Ben voilà.
C'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. On va juste virer l'armure. Par contre, dans les armes. Hop, on répare. Toi, t'as plus rien. On récupère tout. Et on répare. Il y a des ghouls, un protectron, ok. Ok, donc l'autre. L'autre dans le coin. D'accord. C'était juste ça. Pas de problème. Récupérer les ordres, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre au moins le lieu, voilà. Normalement, là, j'ai un lieu en plus sur ma carte, on est d'accord? Ah, pas du tout. Ah, putain, ça va pas nous aider, ça. Parce qu'en fait, je suis quasiment full. Ah d'accord, donc là j'arrive vraiment en plein dans le contenu quoi. Alors j'espère que on pourra quand même ranger nos affaires. Adieu. Non. C'est mal barré. Determinate. Oh punaise. Ah bah voilà. Alors, on va juste sauvegarder. Pour être sûr. Premier soin, ça peut être cool. Je sais pas si je dois. Non, je peux pas aller par là. Ça a l'air d'être bien. Par contre, je sais ce qu'on va faire. On va laisser des affaires ici. Bon, genre les grenades, je m'en sers jamais. On peut bien les laisser, les mines aussi. Bon, allez, ça on peut laisser, au pire. Ça on va pouvoir laisser. Les paquets aussi. Cartouches.
Ben, si je me trompe de bouton, ça va être difficile. Le bloc-notes, qui me sert absolument à rien. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'embêter. On va mettre une sauvegarde ici, exprès. Cette sauvegarde nous permettra en fait de se dire, voilà, on doit aller ici pour récupérer nos affaires. Parce que bah, faut que je parte quand même un peu plus léger. Et si je pars comme ça, je vais être foutu, moi. J'ai même pas regardé les ordres, d'ailleurs. Les ordres. Oh. Ici le paladin Tristan. Si vous entendez ceci, c'est que vous avez franchi le métro présidentiel. Il ne vous reste plus qu'à affronter la base aérienne d'Anams. Selon nos éclaireurs, les commandes de tir du satellite porteur de missiles se trouvent dans la tour principale de la plateforme mobile de l'enclave. Le seul accès à la plateforme est une rampe qui s'abaisse depuis le poste de garde de l'enclave, dans l'ancienne tour de contrôle du trafic aérien. Alors, on va juste voir la gueule du canon. Ça m'a l'air d'être costaud. Oh oh. Ça, c'est l'enclave. Putain, ils sont partout. Je m'attendais pas à une résistance aussi forte. On va essayer d'esquiver ce qu'on peut, bien sûr. Parce qu'on pourra pas tout esquiver. Ouais, je vais essayer de le shooter comme ça, hein. De toute manière, j'ai pas trop le choix. Et boum. Mystérieux étranger. Je sais pas ce qu'ils ont pété, mais ils ont bien pété quelque chose sur moi. Pas forcément très cool. Tirer trop vite. J'ai bien fait de me reculer. Voilà. Il est au-dessus. Ils sont tous au-dessus, d'accord. Bon bah on va y aller. C'est pas grave. Ah. Mince. On va pas s'embêter. Eh ben c'est bon.
Prudence, conseiller. Voilà. On va faire ça. On va pas s'embêter, ça nous fait de l'XP en plus. Voilà. C'est parfait. Putain, y a du monde, je pense. Ah non, c'est juste la tourelle ici. Oh les salauds. Ah, ils veulent m'en faire chier. Ils veulent me faire chier jusqu'à la fin, eux. Hein. Oh. Bande de saligots. Ah non, si je devais faire les tourelles une par une. Ouais, mais j'aurais pas du tout fini, hein. Voilà, c'est cool. Allez, Canigou, bouffe-le. Wow. T'as fait te manger un coup, Canigou. Bah voilà, on va le réparer, notre fusil, hein. Y'a pas trop de problèmes. Alors par contre, il y en a toujours un qui est en bas, qui veut nous faire chier, là. On va lui défoncer l'incinérateur, au pire. Il ne reviendra plus avec son incinérateur. J'ai l'impression qu'il y a un lance-roquette aussi. Alors, des steam packs. Heureusement qu'on en a d'ailleurs. J'ai pas du tout de grenade. Qu'est-ce que je pourrais faire? Des mines? Perplexe. Oh, wow, wow, wow. Allez, meurs. T'es sérieux? T'aurais pas loupé le coup, j'aurais pu refaire un deuxième SVAV. SVAV. Oh. Seriously. Bon bah qu'est-ce que tu as toi? Un pistolet. Ok, là il n'y a plus rien d'autre. À part des ennemis. Il y en a toujours un avec un incinérateur. Oh là là, tout à côté. À part le premier tir quoi.
Putain, c'est celui avec son incinérateur qui nous fait le plus de dégâts, quoi. Oh là là. On va leur foncer dessus si tu veux, Camille. Boum. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. On s'en va, y'a trop de rad. Y'a trop de rad. Bon là ça devrait le faire. Il nous reste encore combien d'ennemis à tuer? Allez. Il l'a pas touché. Oh là là. Défoncer la tronche. Bon, bah il en reste, hein. C'est bon. C'est ok. Il a fallu le temps. Mais on s'en sort. C'est ça qui est le plus intéressant. On s'est pas fait défoncer. Alors ce qu'on va faire c'est sauvegarder. Vu que maintenant j'ai un petit peu peur maintenant vu qu'il y a des surprises. Je vais sauvegarder de temps en temps. Enfin voilà, de temps en temps. Parce que bon. Clairement j'ai été déçu. Alors, on répare notre arme. On peut réparer aussi le pistolet. Le canon, je m'en sers pas. Hein. On fera des tests avec, mais... vu qu'à mon avis, on pourra pas le réparer. Ou alors, si on trouve un deuxième canon. Pourquoi pas. Je voudrais voir la map... locale. Bon. On peut pas aller par ici. D'accord. Par contre, là, il fait bien sombre. Donc ça va être embêtant pour pouvoir continuer. D'accord, donc là, rien du tout. Alors. On va rentrer là-dedans. On peut pas faire autrement. Difficile. Wow. D'accord. Non, bah j'ai même pas envie d'ouvrir sa porte, hein. Mourez les scientifiques, mourez. Je vous laisse votre arme toute pourrie. Je l'ai pas touché. Dommage. Voilà. Oui, j'ai bien fait de faire ça. Alors. Alors. Vu qu'on a récupéré un petit peu tout ce qu'il y avait, là j'entends des tirs.
Mais nous on s'inquiète pas des tirs, hein, on s'en fout. Ils font peut-être des tests. Non, c'est pas un test. Ça pique. Des steampacks, je commence à utiliser un peu beaucoup, je trouve. Par ici, je devais passer. Ouais. Oh putain, clébard. Défonce-le, Canigo. J'espère quand même qu'on pourra finir ceci. Parce que là, ça commence à s'éteindre. Les scientifiques, c'est des mouches, hein. Honnêtement. Un coup, ils sont KO. Non. Purée, mon bonhomme, il est plus bleu, quoi. Voilà, c'est très bien, Canigou, tu l'as défoncé. Alors. On va encore réparer, hein. Par contre, mes points de vie. Ouais, on est à peu près moitié. Ça passe encore, mais bon, c'est pas ouf, hein. Je pense que ça devrait être peut-être par ici, mais je suis pas sûr. Je pense que c'est pas ici. On s'en va. Wow, d'accord, en fait je suis vraiment sous les feux ennemis, hein. Va falloir porter ses couilles. Ouais, meilleur temps. Bon, d'accord, ça veut pas mourir en plus. C'est bon, elle est morte cette tourelle. Canigou, me fout pas au fond, s'il te plaît. Shoot-les. Ouais, ils font vraiment beaucoup de dégâts, hein, les armes. Les armes plasma, ça fait vraiment beaucoup trop de damage. Alors toi, meurs. S'il te plaît, tu meurs. Merci. Oh, il a fait un saut et tout. Juste les munitions. On va essayer d'esquiver. On va essayer d'aller chercher. D'accord, il est là. Il est pas tout seul. Ah, ils sont trois. Ça aide pas. C'est parce qu'il y a beaucoup d'affichage, hein, que ça rame comme ça. Et je mets souvent des coups critiques, j'ai l'impression. Allez. J'ai un truc qui a dû me shooter. Mauvaise blague. Quelqu'un était derrière moi. Allez, Canigou, shoot-le. Prends les coups à ma place pour le moment. Je t'en remercierai après. Allez, meurs. Le Svav est de nouveau disponible.
On va récupérer ce qu'il y a là. Munitions et des mines. Bah, pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. Là je vois personne. Là on arrive à la tour de contrôle. C'est là où nous devions aller. Je me sens mal. Quelqu'un m'attend en haut, non? Même pas. Eh ben. Eh ben les amis, on va s'arrêter ici. J'espère qu'en tout cas l'épisode vous aura plu. Je vais juste regarder, histoire de... Voilà, que ce soit bon. J'espère que... On va pouvoir continuer tranquillement ce DLC. Pour le moment, il se prête plutôt bien. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut à tous les amis.